Mesdames, Messieurs, nous saluons. Nous. Pas oublier nos pâmes, c'est Pasteur Josué, moi, cœur de Miramar, église Shekina de Miramar. Moi, quoi, j'ai non pour nous capables d'entendre et programme ça et puis distribuer le tout. Distribuer à tous les amis qu'on gagne sur WhatsApp, amis sur Facebook. Voyez-le pour nous, et continuez à écouter Radio Shekina de Miramar. Donc, dans téléphone, c'est là, 360-398-43-62, et puis, website là, c'est www.shekinamiramar.com, S-H-E-K-I-N-A-H, Miramar, M-I-R-A-M-A-R.com, ShekinaMiramar.com. Il y a un sujet paraît un peu très controversé, non seulement dans le milieu panon, mais un peu partout dans le monde. Monde qui est intéressé dans le bagaille quand même, et genre de sujet si là, en pile interprétation, de quand même, à travers l'aide du Saint-Esprit, nous-mêmes nous venons avec une autre. Une approche, donc par rapport justement à cette question, le divorce et le remariage. Donc mes chers amis, en tant que chrétiens, nous connaissons bien que nous avons besoin quand même clarifier au plus juste. Et on sait le sujet qui est très intéressant, selon, n'est-ce pas, selon la Bible. Donc en traitant ce sujet, il semblait que des gens qui ont tendance à dire pour capable commettre en sous-table plusieurs erreurs. Et d'abord, plusieurs erreurs qui gagnaient par rapport à genre de sujet. Il m'a dit que le monde a parlé de sujet, ça a commis au moins deux erreurs. Il a quand même peut-être fait mention de plusieurs quantités de l'autre erreur, mais au moins deux erreurs et qu'on va le faire mention de eux. D'abord, il y a un monde qui dit que l'attitude biblique envers le divorce lui paraît un peu trop sévère. Ça veut dire que donc la Bible a une attitude beaucoup plus compatissante en abordant ce sujet. Ça, c'est un monde qui peut être dans la réflexion par eux. Mais on connaît cette position-là, lui paraît un peu ridicule. Vous comprenez ça? Si nous n'écoutons pas ce que la Bible a lancé, ce que la Bible dit sur le divorce, alors que nous ne croyons pas à l'autorité des Saintes Écritures. Donc si la Bible n'est pas pour nous la parole de Dieu, et bien quand c'est arrivé, nous sommes dans un désert moral, ne connaissant ni ce qui est bien, ni ce qui est bon ou vrai. Donc la Bible pour nous, il m'a dit, donc le niveau qui détermine notre conduite en tant que chrétien. Ça c'est une première erreur. La deuxième erreur, c'est de simplifier à l'extrême et déformer l'enseignement biblique. Certains chrétiens disent que c'est vrai que Géfa y a un texte même pour le approuver. Well, Dieu rend le divorce. Donc, bon, par exemple, dans Malachie, chapitre 2, verset 16. Parce qu'à partir de ce verset, on dit, bon, well, personnellement, pas doué divorcer. Donc, si vous divorcez, donc vous ne devez jamais vous remarier. Fin de citation. Donc, ça, c'est une autre erreur. On ne va pas penser que ce soit ça que la Bible enseignait. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde partage l'interprétation que, justement, que moi-même, donc, j'ai appréhension sur lui, mais néanmoins que la situation morale de deux mondes que nous vivons aujourd'hui, hein, différentes situations que nous rencontrons dans nos églises, nous contraignent, vous comprenez, à sonder attentivement ça que la Bible dit, et pour nous capables de faire un peu l'attention de ne pas, justement, déformer la parole de Dieu sur ce sujet qui est assez, donc, important que nous t'adouions. Quand même considéré. Et justement, nous trouvons que deux bagages, quatre de figure, nous va laisser comprendre. Semaine passée, nous avons essayé d'analyser la déclaration de Paul, l'interprétation de Paul. Mais nous trouvons que les pharisiens qui posaient une question à Jésus, non pas qu'ils veulent instruire dans les voies de Dieu, mais ils veulent pour être capable de piéger Jésus pour provoquer une crise et même justement pour être capable de faire Jésus à le faire mourir. Il venait avec une question très controversée. C'est ça qui est intéressant, l'éternelle question du divorce. Donc, pour qu'on ait justement position de Jésus par rapport donc, à la question si-là. Gagner dans le moment si-là, ou même quand vous écoutez l'émission, étudiant de la Bible, gagner dans le moment ça, en Israël, deux écoles rabbiniques qui soutenaient deux points de vue différents sur le divorce. D'abord, il y a dans deux écoles si-là qui soutenaient l'enseignement du
du rabbinisme, Hillel, selon Deutéronome chapitre 24, Moïse a dit, lorsque l'homme aura pris et épousé une femme venue pour capable trouver grâce à ses yeux, parce que il découvrit quelque chose de honteux, quelque bagage déconvenant, il parle écrire une lettre de divorce et après ça pour capable remettre lui, donc dans même monde pour lapider. C'est la déclaration de Jésus-Christ. Donc, même qui est un flagrant délit d'adultère, ou même qui sort du côté bon Dieu, d'après la loi de Moïse, ou même ça, on dit non, ça. Ça, c'est une interprétation que le grand rabbin, Hillel, a interprété. Hillel a interprété texte comme, il a dit, comme signifie, quoi que ce soit, bagay qui parle déplaît, quand même, avec Marie ou Madame, non. Mais cela pouvait aller. D'accord, dit non, non petit déjeuner mal préparé à la maison, puis justement, peut-être que cas mal côtoyé monsieur, mal côtoyé madame, non? Et puis dans la façon que vous pouvez déranger, façon pour parler avec lui, il pas content, déshonoré, et puis ça, je vais aller pour faire monsieur divorcer. C'est un point de vue libéral qui t'est gagné dans un moment concernant le divorce, tellement monsieur était sensible avec cette question de divorce. Point de vue quand même, monsieur. Mais opposé à ça, l'école, deuxième école très puissante qui gagnait, c'est l'école de Chamaï. L'école de Chamaï, et il y a eu un autre grand, bon, grand rabbin hébreu qui enseignait que le divorce est doit strictement limité, que le divorce pas de accorder que sur certaines conditions bien définies. Et nation Israël là, mes chers amis, est divisée entre deux écoles de penser, c'est là. Vous êtes capable de remarquer que nous connaissons la même situation aujourd'hui. Deux points de vue qui peuvent l'opposer. Nous avons même dit nous presser de deux côtés avec l'école Sayo. Peut-être qu'il y a quelques questions ou même qu'à côté de mission, des fois, pour nous poser. Qui ça nous a fait pour divorce? Est-ce que quelque chose, justement, de pas tellement important, ou bien est-ce que nous sommes capables de permettre, justement, pour une simple incompatibilité de caractère, qu'on doit divorcer, ou bien est-ce qu'on bagaille une chose très sérieuse comme ça, donc peut-être que nous sommes capables d'accepter que ce sont certaines conditions très limitées. Peut-être en forme de question comme ça que nous sommes capables de poser. C'était là le problème, et notre Seigneur était confronté à une série de questions comme ça. La réponse, justement, qui parle gagner pour développer des arguments très importants, c'est là-haut. D'abord, au prime abord, il parle ramener, justement, ça m'a allé à Moïse pour qu'il traite du divorce de la manière côté que Moïse, justement, pour l'accorder à divorce. Deuxièmement, il va aller plus loin au moment de la création pour comprendre l'évangile de Marc, chapitre 10. Premièrement, ça qui parle dit sur Moïse, il leur répondit, Marc chapitre 10, verset 3, il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier, et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Là, Jésus, d'abord, il maintient l'autorité de la Bible. Et quand on cas figure, pour nous comprendre bien, Jésus, il a toujours fait référence à l'Ancien Testament comme étant le livre qui a les réponses sur les problèmes de la vie. Deuxièmement, il est écrit pour le renvoyer à Moïse. Deuxièmement, et à la loi, même dans le sermon sur la montagne, il va le déclarer, il dit qu'il n'était pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Il aussi mettait en garde contre quiconque tentait pour capable détruire la loi ou changer ça le dit. Troisième bagage, il dit, c'est pourquoi il pral retourner pharisien yo vers Moïse pour capable bailler yo. Mais Jésus pas arrêté là, il pral clarifier texte là. Jésus va l'interpréter pour monsieur les paroles de Moïse. Il parle ben non, le motif, la raison qui fait que Moïse pral permis et le divorce. Ça il pral dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Nous comprenons ça veut dire, c'est à cause de la dureté du cœur. C'est à cause de la dureté du cœur que divorce existait. Allons analyser le mot endurci. Qu'est-ce qu'un cœur endurci? Pour nous comprendre bien. D'abord, le contraire d'un cœur qui est endurci, c'est un cœur adouci. Un cœur qui est souple. Un cœur qui est aimable. Un cœur qui est ouvert. C'est souvent que la Bible même a parlé d'un cœur qui endurcit. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon pour dire de la part de l'Éternel, laisse aller mon peuple. Il écrit que, justement, Pharaon endurcit son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ou ça veut dire, justement, il voulait agir. Et dans la dimension parle pour ignorer ce que dit le Seigneur. Lorsqu'on détermine justement pour capable faire un bagage selon propre volonté ou sans tenir compte de ce que Papa Bon Dieu dit sur cette question, où est-ce arrivé là? Ou c'est monde qui endurcit le cœur? Voilà ce qui se passait en Israël, ce précepte sur le divorce qui va le révéler qu'il y avait la dureté dans le cœur, pour le permettre justement la réalité du divorce. Mes chers amis, même quand écoutez l'émission, c'est la voix de l'église Shekinah de Miramar, Florida, Miramar. J'avais essayé donc interpréter quand même une approche systématique sur un point de vue Jésus-Christ par rapport à divorce et le remariage. Et il me dit ces préceptes ça justement sur le divorce que Christ l'a révélé parce qu'il a montré que c'est dureté qui gagne. Donc fait que Dieu, eh bien n'importe une décision qui réfléchit capable venir. C'est ça qui fait. Des monde se conseille réfléchir, les on bagaille pas plaît yo avec un monde. Eh bien naturellement réagir d'abord par la critique, plainte, même attaquer pour l'éviter mon nom. Donc c'est ça qui pas arriver. Les maris après réagir dans le mariage avec mépris parce qu'ils trouvaient donc justement madame n'a pas fait le plaisir encore, monsieur n'a pas fait le plaisir encore. Eh bien on connaît ça arriver là. C'est parce que qu'elle venait endurcie. C'est sûr qu'elle n'est pas endurcie, mais quand ça peut arriver, le mari pour le suivre les conseils que donne l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, ça le parle dit, dites-vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Quand même, encouragez-nous à venir avec un seul décision qui est beaucoup plus. Il y a une illustration. Moi, c'est avec ça, ma brité là. Il y a une illustration qui est très intéressante. Une femme qui allait voir justement un avocat et puis il dit, avocat, je veux divorcer. Je déteste vraiment Marie. Et justement, je voulais que ça finisse mal. Puis il dit, avocat, donne-moi quelques conseils pour me connaître qui ça que ma fille. Avocat dit donc, si vous avez vraiment fait souffrir, si vous avez crasé réalité, relation, mais soit fait, écoutez-moi avec un pile attention. Avocat dit que, m'a dit ça avec un principe de base. Pour capable faire pour monsieur hein? pendant 3 mois mais soit fait pour Mario. Il dit avocat qui a parlé, il dit madame non, pas critiquer Mario. Pas dit justement les messieurs comme bagarre il fait, parler de bien de madame non avec n'importe monde, avec monsieur Ato. Bah monsieur a l'importance. Chaque fois que monsieur a justement lui font bagarre, félicitez-le. Dis là ou son type qui bien. Fais un série de bagailles pour lui qui est positive, la fait bagaille négative, ou fais un série de bagailles pour lui qui est positive pendant 3 mois. Après cela, pensez qui ça va venir pour est-ce qu'il va gagner quand même quelques confiances et comment à moins la venir pour est-ce qu'il va balancer et pour comment donc capable venir avec différents. Vous connaissez arriver après 3 mois, avant ça, mais peut-être que Damien dit que bon, m'a fait parce que ce mariage est très difficile. Même le temps d'eau, mais quand même, m'a fini par divorcer. M'a besoin de continuer à parler en pile parce que quand même, m'a pas laissé faire, mais si ça n'a pas marché, m'a pas fini de garantir la marche. Et puis, quand ça arrive, l'avocat dit seulement, elle dit bagaille qui est bien, elle dit bagaille qui est positive pour Marie. Comment c'est complimenter Marie pour bagaille qu'elle fait, donc pendant 3 mois, et dame n'a pas le paraître. Dit un avocat, il fait pendant 3 mois. Il dit qu'on est sacrivé. Après 3 mois, je viens oublier quand même question divorce. Je me décide de commencer une deuxième lune de miel. Donc, on est, c'est vrai, on est capable de route pour le divorcer. C'est vrai. Peut-être que Gimbert et monsieur a fait, qui est très difficile. Il m'a dit que madame n'a fait, que n'a pas de courage assez pour supporter. Mais je m'encourage pour nous pratiquer même. Et illustration ça de avocat ça pendant un nombre de temps commencer des bagages positifs de Mario, des bagages positifs de madame, pas quitter mon influencé parce que ou marié quand même c'est ou même ma monsieur qui a vu, c'est pas maman, famille, c'est pas ami, c'est pas influence timio, mais son responsabilité qui gagne entre vous même ma monsieur pour être capable chiter ensemble. Il y en a bagage que ne pas rien fait. M'encourage nous pour être capable pour un conseiller familial à le royaume monde parce que nous toujours penser que nous dépositaires de toute bagage de la science nous gagne toute connaissance mais c'est pour nous réaliser quand même en vertu des connaissances qu'on a gagné mais nous limiter nous pas contre bagage. C'est pour nous jeunes au monde qui ont spécialité dans le domaine là pour nous chiter avec lui. Peut-être que si pasteur apparemment il
conduite qui morale. Nous bah, c'est chita avec lui pour nous capables de questions avant même que nous pensions avec ça ou lui. Le divorce, c'était la voix de l'Église.